Et salut YouTube, on est parti pour l'épisode 2 sur Autonaut. Alors bon, j'ai rien avancé depuis, hein, mais je vais voir. Peut-être j'essaierai d'accélérer certains passages, genre là, qui sont pas spécialement intéressants, je pense. En vrai, l'objectif de cet épisode, c'est de finir les diplômes, là, les trois diplômes que j'ai montrés en fin de la première, du premier épisode. On va essayer de faire ça. Lui, il a plus de pioche non plus, ok. Alors, déjà, on va construire trois établis. Enfin, deux établis, du coup, parce qu'on en a déjà un là. Cet établi, ce sera l'établi de H. Ici, ce sera l'établi de Bêche. Et le dernier, ce sera celui de la pioche. Bon, les bûches, c'est un peu chiant parce que ça met du temps. Ça met du temps à transporter. Voilà, nickel. Maintenant, on va prendre notre petit pote et on va lui dire, tu prends ça, tu le poses là, tu prends ça. Ah ouais, toi, je crois que je dois pouvoir. Répéter pour toujours. On va mettre répéter jusqu'à ce que ça se soit plein, hein. Voilà. Ça marche pas. Attends. Peut-être que parce que à partir de 1, il considère que c'est plein. On va dire répéter 5 fois. 5 fois, c'est bien. Hop, toi, tu prends ça. 3. Tac, tac. Les bâtons ici doit y en avoir, non? Il n'y a pas de bâtons ici. Ici il y a des bâtons. Allez, hop. Est-ce que je fais un autre robot spécifiquement pour construire En vrai, je pense pas. Je pense que je vais utiliser celui-là à chaque fois. Je vais juste changer. Faudrait juste que je change l'endroit où il va, quoi. Ouais, ça sert à rien pour l'instant, on a dit. En attendant, on va aller explorer un petit peu. Enfin, débloquer des cases. Je sais pas comment appeler ça vraiment. Pas juste à quel point c'est grand, mais ouais, si c'est quand même grand, quoi. C'est quand même grand, quoi. Il doit y avoir moyen de faire des trucs de fou, hein, dans le jeu. Touch. J'avoue que moi j'avais arrêté avant de pouvoir faire des trucs de fou. Ok, comment je fais? Touch. On lui a déjà dit de le faire. En gros, c'est ça. Ça qu'il faut qu'il fasse. On peut pas le copier. Merde. Merde. Je sais pas si on peut modifier genre du texte. Alors, donc c'est déplacer vers établi rudimentaire 1 et ajouter à l'établi rudimentaire 1.
Et c'est la même chose ici, tac. Et tu me fais ça 5 fois, c'est très bien. Comme ça, on dégage. Hop. Allez, au boulot. Nice, ça c'est fait. Déjà un diplôme, plus que deux. Tiré de marin, chapeau de pluie. Bon, ça c'est juste de la déco, je crois. Bon, on va te recharger. Toi, tu prends ta hache. Toi, tu prends ta bêche. Ça commence à accélérer un peu, je trouve. Là, on est à 15. Là, on est à 25. Lui, il faut que je le recharge. Et... ah oui, je sais ce que je vais faire. On va les renommer. Donc lui, ce sera... Caillou. Enfin, plutôt Pierre. Pierre. Ensuite... ah ouais, mais Pierre, il y en a deux. Non, c'est pas lui. Tac, lui, ce sera mineur. On va l'appeler mineur Pierre. C'est tellement pas clair. Ah, mais il y a Pierre ramasseur. Ouais, c'est ramasseur Pierre. Ramasseur Pierre. Voilà. Lui, c'est ramasseur bâton. Ramasseur bâton. Est-ce qu'on peut mettre... Hop, bâton. Ensuite, lui on va mettre juste outil, voilà. Et déjà on peut faire une équipe, je pense, avec ça. Créer une nouvelle équipe. Ça sera l'équipe. Bon alors attends, on va faire plusieurs équipes. Il y aura une équipe, ça sera l'équipe du bois. Du bois, ouais. C'est ceux qui s'occupent de... On va mettre... couper les arbres. Creuser des trous. Et planter les graines d'arbres. Voilà. Oui. Donc ça, logiquement... Lui c'est le bûcheron. Hop. Donc le bûcheron c'est dans bois 1. Ensuite, lui c'est le creuseur. C'est dans le bois 1. Merde. Et ensuite, lui, c'est le planteur. Planteur, graine. Ouais, non, juste planteur. Juste planteur, parce que en gros, plus tard il y aura aussi des planteurs d'autres choses, mais vu qu'il est dans bois, je pense que ça va de faire ça. Tac, on va le recharger. Ensuite, ici, donc ça sera l'équipe de stockage. Ici, stockage, on va les mettre en bleu, pourquoi pas. Donc lui c'est bûche. Ensuite, c'est lui que j'ai sélectionné, hein. M6, ouais. Lui c'est planche. Et lui c'est poteau. Comment t'écris poteau? Poteau, comme ça. Merde. Voilà. Et donc, la dernière équipe, c'est l'équipe... on va appeler ça l'équipe des outils. Ah, je sais pas. C'est outils. On va mettre... outils plus bâton. Et Pierre. On va mettre ça comme ça. Voilà. Tac. Et donc là-dedans, il y a mineur Pierre, outil,
Ramasseur bâton, ramasseur pierre. Voilà. Et là, on a constitué trois équipes. Donc ça, c'est fait. Roue rudimentaire, engrenage rudimentaire. Alors ça va être très utile, il me semble. Et c'est quoi le dernier objectif? C'est de créer 6 bêches et 6 et 3 pioches. Non, 4 bêches et 3 pioches. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est que je peux créer les engrenages maintenant. Que se passe-t-il? Tu es où? Voilà. Ah mais attends, lui il est déjà déchargé alors que ça faisait pas longtemps, non, il me semble. Bon, du coup là-dedans, on peut maintenant créer des roues rudimentaires et des engrenages rudimentaires. Cool. Ce que je vais faire, je vais prendre outil et je vais lui dire. De faire ça. C'est établir rudimentaire 2. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Et ici, moi je vais faire la même. Il faut que je fasse 3 pioches. Pour avoir le diplôme. Et on aura réussi l'objectif de la vidéo, qui est déjà pas mal. On l'a réussi rapidement en plus, ça va. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer encore un établi. Mais cette fois-ci, c'est un établi où on fera les engrenages et les roues, qui seront très utiles. Je sais plus à quoi ça sert, mais c'est utile. Je crois que pour les prochains robots, ce sera utile. Ouais, je spoil. Désolé. Je crois que je l'avais déjà dit dans la première vidéo, de toute façon. Et lui, il voit pas les bûches, c'est ça? J'ai un problème de bûches là. Enfin, de zone plutôt. Il voit pas les bûches au bon endroit, lui. 25-15 ici pour l'instant, c'est bon. Et donc là, on va créer une roue rudimentaire. On fait une, hein. Yes. On va poser là et on va créer un engrenage rudimentaire. Ça va être une planche. Ah, ça y est, on a débloqué le dernier diplôme. Ça donne quoi? Salopette de pompier. Super. Non, de plombier. Ok, alors qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué donc colonisation, culture et culture de denrées alimentaires. Ah oui, ça c'était relou. Ça c'était relou parce que il fallait que je fasse. J'avais fait un robot qui creuse, un robot qui plante. Et je crois un robot qui arrose, non? J'ai un doute. Je sais plus s'il fallait arroser. Ah non, peut-être un robot qui récolte. Et un robot qui prend les trucs coupés et qui les amène dans un truc de stockage. Donc il fallait 4 robots pour un seul truc. Ce qui est un peu chiant. Distributeur de graines de colons, incubateur. Ah oui, il faut nourrir les colons en fait, c'est ça le problème. C'est un peu le souci. Et j'ai pas encore accès au meilleur robot là. Je vais regarder. Non, toujours pas. Et c'est un peu chiant. Lui il veut une bêche. On prend ta bêche. Ah
merde, ils sont superposés, du coup ça va pas le faire. Mineur pierre. Ok, c'est bon. Bon alors attendez, laissez-moi réfléchir. Faut que je fasse quoi? Par quoi je commence? En vrai, on peut commencer par les baies et les champis. Je sais plus, c'est avec quoi qu'on les récolte? Ça va être une bêche, il me semble. On va se prendre une bêche. Mais avant ça, on va créer un robot. Que dans tous les cas, faudra que je montre à un robot comment faire. Donc. Bon alors, comment on fait? On creuse un trou. Ah mais ça va pas en fait. Tac. J'aimerais m'en débarrasser pour l'instant. Ah ouais, j'ai une idée, attendez. On va lui dire de creuser tout ce terrain. Et en sol à proximité, par contre, il faut qu'il fasse moins méchant. Comme ça, là. Ça fait quoi? Ça fait du 1 par 7. Pour l'instant, on va lui faire du 1 par 5. C'est très bien. Répéter pour toujours... oui, enfin, de toute façon... au bout d'un moment, il n'y aura plus de... Il n'y aura plus rien à creuser, quoi. Donc il s'arrêtera bien logiquement. Ah oui mais il a pas de bêche, c'est vrai. Attends, avant de faire ça, ouais, j'aurais peut-être dû lui dire. Ok, attendez, j'ai une idée. Je pense d'abord on va lui dire de creuser le terrain. Et ensuite... Ensuite, il fera ça, quoi. On va faire ça comme ça, je pense. Du coup, ça, c'est un bordel. Je sais pas où je les fous. Ça se range quelque part, ça? Peut-être là-dedans, non? Du coup, il faudrait que je refasse des caisses de stockage. Donc, on va tout poser là. Et on va faire une caisse. Alors, l'avantage des caisses, c'est par exemple, je peux construire ça là. C'est un peu dégueulasse, mais en gros... il faut quoi? Il faut 4 planches et 4 poteaux. De toute façon, il va falloir qu'on en fasse pas mal de ça après. On peut faire ça. Et ensuite, j'appuie sur M. Et je peux déplacer ça ici. Et ça, c'est pratique. Avant juste de repartir, toi, tu vas te mettre au travail. Et toi aussi. Hop. On va voir si ça rentre là-dedans. J'ai un doute quand même. Ah si, c'est bon. Alors je sais pas du tout si c'est utile plus tard, je crois pas. Si j'en ai pas de souvenir, c'est soit que c'est pas utile plus tard, soit que c'est beaucoup plus tard. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment utile de les collecter maintenant? Peut-être pas. En bref, c'est un jeu assez chill. J'avais envie de vous le montrer quand même, parce que je trouve que c'est sympathique comme jeu. Je suis pas sûr
qu'il y ait de la coop disponible sur le jeu par contre. Ou alors peut-être avec un mode, parce que les mods sont... Ouais, y a des mods dispo pour le jeu. Donc peut-être que via les mods, il y a moyen de faire ça en coop. J'en sais rien. Non, j'en ai plus une de trop. Tac. Je me suis dit, en vrai, pourquoi me faire yesh à ramasser tous les trucs de terrain alors que je peux prendre un robot et lui dire de le faire à ma place? Jusqu'à avoir les mains pleines. On va agrandir ça au max, comme ça. Cette zone-là, normalement, ça devrait être bon. Et ensuite, hop. Ça c'est pour toujours, mais d'abord j'aimerais lui dire de faire ça jusqu'à avoir les mains vides. Voilà, nickel, comme ça doit être bon. Ok, et moi en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais construire pas mal de caisses. Hop. On va en faire, ouais, comme ça me paraît pas mal. C'est peut-être même trop en vrai. Ouais, j'ai peut-être abusé là. Peut-être pas besoin d'autant de caisses. Ouais, je sais pas en vrai. Ah, je peux pas. Merde. Je pensais que je pouvais faire celle du dessus aussi, mais non. Faut d'abord que je construise celle d'en dessous. Ouais, logique en vrai. Donc là, en termes de poteaux et de planches, je vais sûrement en manquer. Je pense pas que les robots soient assez rapides pour me fournir. Quoique, en vrai, ça bosse, hein, les robots, ça bosse. Enfin bon, ça réduit quand même, hein. Au moins, ils seront occupés. Déjà, j'ai assez de poteaux pour tout faire. Est-ce que j'ai assez de planches par contre? J'ai quand même un doute. Ok. J'ai assez par contre, du coup, il n'y a plus rien quoi. Dans les espaces de stockage, il n'y a plus rien. Il veut quoi lui, une bêche? Tac. Et on va déplacer ça du coup. Merde. On va en mettre une ici. Et on va en mettre. On va en mettre deux comme ça. Et la dernière, on va la foutre là pour l'instant. Hop, on va te recharger aussi. Nickel. Il fait quoi comme zone déjà lui? Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. What? Mais comment je fais déjà pour... Comment il s'appelle lui? C'est lui. Comment je vais l'appeler? On va l'appeler... On va l'appeler Creuseur aussi. Creuseur. Et lui, ce sera Ramasseur. C'est un peu vague, mais bon. Si on fait des équipes, ça devrait aller, même si ils ont des noms vagues. Ouais, ok, la zone est... Ça va. Ouais, la zone, ça va. Ce que je vais faire, moi... Aller prendre une autre bêche. Ah non, attends, avant de faire ça, il est où mon... Ouais, il est là. Quoi?
Tu vas le refaire. Tu vas refaire ça, le bêche. Les bêches, finalement, on va en avoir besoin. Merde, lui, il a plus le matos. Hein. On va déraciner ça, je pense. Je sais pas si ça marche. Comme ça. Hop. Et on va ramasser tout ça. Et je crois qu'en gros... En gros, ça se replante directement. Je crois. Ça va être un peu relou à organiser, ça aussi. Hein. Lui, il veut une hache. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux peut-être construire des trucs pour préparer les colons. Ajoute une graine de colon, puis utiliser de la nourriture juste sur la barre soit remplie. On peut créer ça. Je sais plus ce que ça fait exactement, mais... Il faut quoi? 4 planches, 4 poteaux. 2 engrenages. Ouais, putain, en planche, on est chaud là. Je vais l'aider un peu parce qu'il est en galère là, le pot. Surtout que l'autre il en prend aussi, donc donc ça risque pas d'avancer. Enfin si, je pense que quand il y aura plus de poteaux, il le fera, mais... Comme ça, on va l'envoyer ici. Moi, lui, c'est bien qu'il soit déchargé. Je pense que pour l'instant, je vais pas le recharger tout de suite. Histoire de laisser le temps à l'autre de remplir un peu ses planches. Je le sens en galère, le pauvre. Engrenage rudimentaire. Hop. Quoi, c'est une planche, ok. Bon, ça va, une planche pour un engrenage, c'est sympa. Hop. Et donc ça fait quoi ça exactement? Ça, je peux l'enlever, non? Une capsule de graines de colon. Qu'est-ce que j'ai fait? Graines de colon. Ok. Incubateur à colon. Il faut 4 planches, 4 poteaux. Ouais, c'est la même chose en fait. C'est quoi ça? Quand épingler, ok. Hop. En énergie, ça va. Ouais, ça va, toi, un peu. Pas trop chargé. Toi aussi. Et ensuite, là, c'est des engrenages, on a dit. Donc, on va prendre 2 planches. On peut construire en ayant un objet sur nous, ce qui est plutôt pratique. Voilà, ça c'est bon. Donc là, on pourra construire, avoir des colons quand on veut. Mais je pense qu'on va attendre parce que de toute façon, il faut leur donner de la bouffe, c'est ça? Ouais. Donc pour l'instant, on n'a aucune génération de bouffe, ça vaut pas trop le coup de le faire. Non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça.
Il me perturbe à décharger. Y a pas moyen de modifier le texte directement, genre en mode. C'est dommage qu'on puisse pas faire ça. Même copier un truc, c'est dommage qu'on puisse pas copier une ligne. C'est bon. Lui il veut une pioche. Tiens, garçon, je te donne une pioche. On est à 14 bâtons. Ok, il faudrait peut-être gérer ça aussi. Où est-ce qu'il peut aller chercher des bâtons, lui? Là-bas, il y a 4 bâtons. On va chercher les 4 bâtons là-bas. Ah, mais putain, on peut pas. Là, y a pas des bâtons. Si, y a plein de bâtons ici en fait. Ouais, quand il coupe les armes, il y a quand même des bâtons qui tombent. En vrai, autant le laisser dans cette zone du coup. Hop. Ils ont tous des noms là. Ouais, ils ont tous des noms, c'est bien. Ils ont tous un petit nom. C'est super. Enfin, c'est ouf, il y en a toujours un qui a plus d'énergie quoi. C'est pas possible. Il y avait un mode pour ça, je crois, qui permettait de d'enlever le système d'énergie. Parce que bon, c'est vrai que c'est plus relou qu'autre chose de devoir tout le temps, toutes les 5 secondes, là, aller les recharger. Il lui reste quoi comme zone à faire, lui? Quand même, il lui reste au moins la moitié, quoi, voire plus. Ok. En vrai, je pourrais peut-être l'aider. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, là. À part les recharger en boucle, quoi. Là, c'est un peu chiant. Peut-être sinon, je vais essayer de faire un robot qui les recharge. Le problème, c'est que ils évoluent que dans une petite zone, donc limite il m'en faudrait plusieurs. Tiens, j'aurais pas dû le recharger, lui, je suis bête. Comme ça, j'aurais pu programmer lui direct. Ça par exemple, je pense. On va l'appeler rechargeur. Et on va le recharger aussi. Ah putain, ils ont plus d'outils. Au secours! Le problème, c'est que ceux-là, ils ont un programme trop petit pour. On leur dise d'aller chercher un outil quand ils en ont plus. Je pense que ça rentre pas. Après, en vrai, je viens de penser à un truc, mais
Lui là. On peut pas dupliquer un code. Non, on peut pas, je crois. Parce qu'en gros, j'aimerais lui donner plusieurs zones en fait. Bah lui il a plus de batterie, c'est nickel. En gros c'est juste avoir plusieurs zones comme ça. Là on... Non attends, moi je peux même faire ça comme ça je pense, et du coup cette première zone je la décale ici. Là, il y en a encore un ici. Je sais pas du tout si ça va marcher en faisant comme ça. Est-ce que... Non, c'est lui qui est déchargé, my bad. Je sais pas du tout si ça va marcher en faisant comme ça, en additionnant les zones. On va faire ça. Comme ça, il pourra faire toutes les zones. Le mieux, ce sera avoir une quatrième zone ici, en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà attendre que lui, il soit à court d'énergie. Ah merde, c'est plein, là. Ah, je vais additionner, je vais mettre une caisse de plus. Bon, en vrai, je suis même pas sûr que ce soit utile d'avoir ça, de stocker ça. Bon, vas-y, en vrai, pour l'instant, fais ça. Ça marche. Ah non, il faut attendre. Eh non, ça va pas. Comment je peux faire? Jusqu'à entendre. Ça veut dire quoi, jusqu'à entendre? C'est quand même con qu'on puisse pas dupliquer du code. Je sais pas si ça va être vraiment bien de faire ça. Comme ça. Ah mais ça va pas le faire je crois. Là, ça demande trop de... Si j'enlève ça et que je mets juste ça, ça va pas. Ouais non, on est à moins. Je sais pas comment je peux faire pour... C'est que si je mets toutes les zones côte à côte, ça le fait pas. Ah, ou alors faut que je mette ça, non? Si. Ça marche pas sur les robots. Hmm.
Moi, je sais pas trop là. Hein. J'avoue que. Parce que là, le problème, c'est. Le problème, c'est qu'il attend à chaque fois, quoi. Donc, il va pas être efficace. Peut-être c'est l'assignement de plusieurs zones qui pose problème. Que là, du coup, il cherche dans cette zone-là s'il y en a un qui est déchargé, mais et vu qu'il n'y en a pas, et ben ça va pas, putain. Alors que faut que je fasse un robot par zone, mais c'est chiant. Ok, bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode quand même, on est à 40 minutes. Enfin bon, 40 minutes. Oh, oubliez ça. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de la série, de l'épisode, si vous en voulez d'autres ou pas. Moi, je verrai. En vrai, peut-être si ça chauffe pas trop, j'en ferai peut-être en stream et genre quand j'aurai bien avancé, j'en referai une vidéo peut-être. Et après, si ça chauffe pas mal, bah, je ferai plus souvent des enregistrements, je pense. À voir. À voir, à voir. Bref, sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt.